Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une vidéo exceptionnelle et on prend de l'avance parce qu'aujourd'hui on va ouvrir Evolution à Paldea. Je rappelle que vous allez voir des dons qui défilent hein, durant cette vidéo-là. Si jamais un gros cadeau tombe sur le Pikachu, tellement gros qu'il cache le Pikachu, dans ces cas-là, c'est deux boosters origine antique non triés, non pesés qui seront soit envoyés scellés, soit ouverts en live. C'est des boosters exceptionnels. La display, on est à peu près... C'est quand même quelque chose de très, très cool. Et c'est avant tout pour soutenir le Subathon, évidemment, et cet event qu'on aimerait faire et qu'on va faire, d'ailleurs. Et on aimerait ouvrir des choses totalement exceptionnelles. Bref, on va ouvrir ça, c'est une avant-première, c'est une exclue de ouf les amis pour Twitch. Et c'est aussi une exclue évidemment bah, pour YouTube parce que cette vidéo sera dès demain sur YouTube. Donc n'hésitez pas à dire des coucou YouTube, évidemment ça fait toujours plaisir. Les amis, on est parti pour du écarlate et violette, évidemment EV2. On va découvrir tout ça et après on passera au gros cadeau. Et donc c'est les starters. Le Dent de Sable, donc le Pokémon légendaire, je n'ai plus son nom malheureusement. Ouais. Par contre, sa carte alternative est magnifique. Et à droite, je n'ai plus son nom. C'est pas le moteur vous, non. Ok. C'est un légendaire aussi. Ok, ok. Merci mon Vegeta pour Jesse et son 6e mois. Et merci Reels, ça fait extrêmement plaisir. Je rappelle que les ratios de Écarlate et Violette sont incroyables. C'est deux alternatives, un Pokémon et ou un dresseur. Ouais. Deux Full Art au minimum, trois AR. Et après, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est les sleeves, elles sont là. Ouais. Encore une fois. Ah, c'est que un aussi. Hein, ouais, c'est que un. Et le code, voilà, on le montre pas parce que je les utilise. Maintenant, je joue à fond sur le live. Est-ce qu'on zoome un petit peu plus quand même? Oui. Histoire de... Voilà. Allez, on est parti. N'oublie pas que avant-dernière, c'est le hit. Enfin, la deuxième reverse peut être une alternative. Et elle est très belle. Et d'ailleurs, la Magikarp AR est exceptionnellement belle. Merci Lioness Kennedy pour le 34e mois. Ramol, oh il est choupi. Là, je trouve honnêtement, oui. Je vais pas faire le mec, mais je trouve les artworks la plupart magnifiques. Il y a plein d'artworks. Même celle de base, comment c'est vraiment ça. Trop belle. Mais c'est ça, hein, la Rocabot, bon, elle est grave mignonne. Non, franchement, ils ont pas trop fait de pâte à modeler. Ouais. Honnêtement, ça passe super bien. Et Bekipan, qui est une des cartes dans les kits avant-première. Holo estampillé okay. avec une alternative et qui est très très fort d'ailleurs. Allez, on est parti pour la suite. Énergie métal, Lixi, trop mignon, Milisange, Pikachu. La Pikachu est très belle aussi, 9 et 16. Ok, par cool. Je lui prends les 9 et 16. Corbos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ah, Grouche 10, hein. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 9 et 16. Ah. 9 et 16, c'est fait, monsieur. Oh, combat au lait. Vous ne pouvez utiliser cette carte que s'il vous reste plus de 4 récompenses à votre adversaire. S'il vous reste plus de 4 récompenses, soyez 60 dégâts de votre côté. Et ça, c'est là. Et c'est une holo. Coucou, Jules, ça va ou quoi? Oh. Attention. Non mais les gars, laissez-les peser sur EV1, EV2, on peut pas, il n'y a pas de diff. Malheureusement, ok, le terrain d'entraînement. Et la dernière. Ah, une petite ex électrique, ça serait... Alors, j'aimerais Pikachu, monsieur. Non, ça a pas l'air, ça a l'air feu, ça. Ça a l'air feu. Flamigator. Ah, Flamigator. Oh ah, la première ex, les amis. Un petit Flamigator, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire les avant-premières de vos boutiques, les amis. C'est important. C'est pour... Déjà, ça soutient les boutiques particulières. Et ensuite, ça vous permet de découvrir un set 2 semaines en avance. Donc, en gros, tous ceux qui demain participent... Encore une ex ? Encore une ex. Tous ceux qui demain... Ah, c'est l'oiseau, non ? Faiblesse électrique. Tous ceux qui demain participent à l'avant-première, les amis, vous aurez... Ouais, c'est l'oiseau. Vous aurez une petite avance, donc plutôt cool. Avant-première, c'est quoi? Un effort, Melvre. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être une avant-première? Qu'est-ce que ça peut être une avant-première, les gars? Demain, c'est sur Twitch? Ah non, les avant-premières, c'est dans les boutiques, les gars. C'est physique. Vous avez un kit avant-première et vous découvrez le set... En même temps, finalement, en même temps presque que nous. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des boutiques particulières.
Je peux vous aiguiller si vous avez retrouvé des petites collections. Le mieux, c'est d'avoir quoi? Le mieux, c'est une alternative. Ah, hein. Chouchou deal. Les gars, là, on va rechercher des alternatives. Et après, les gars, c'est Loulou qui va ouvrir son display Reine de Glace, les gars. Viro. Il voulait l'ouvrir en live, il voulait faire un kiff en live. Donc, il va vous ouvrir ça. Loulou et son sempiternel Reine de Glace. Colossinge. Ah bah, il veut faire le full set Reine de Glace. Il n'y arrivera évidemment jamais. C'est impossible, c'est trop dur. Trop d'alternatives. J'y crois. Les loots sont compliqués. De votre main pour faire voler un Pokémon dans votre tour. Magie rêve. Franchement, j'adore ce Pokémon. Tu sais que maintenant c'est mon nouveau ectoplasma. Ah ouais? Ah, j'adore. Dès que je trouve pas d'ectoplasma, je me venge sur Magie rêve. Tropius. Quand c'est trop, c'est Tropius. Allez. Bon, là il va nous faire tomber. Il va falloir faire tomber une AR ou autre. C'est bien ça. Alors, il y a trois formes de Tauros maintenant. Foulard dresseur. Let's go, je prends première Foulard, c'est parti. Recherche professorale. Albert. Bien. J'aime beaucoup. Incroyable. Allez, la première Foulard qui tombe. Le frère Albert, elle est belle, hein. Magnifique. Oh putain, les gars, dans deux semaines, on ouvre du Seigneur des Anneaux en live. Aïe, magique Seigneur des Anneaux, les gars. Oh, il est mignon, Frigodo. Magique Seigneur des Anneaux, ça va être exceptionnel. Compagnol. Non, il n'y a pas de Coroussinge, par contre, il y a Férosinge et Colossinge dans ce set. Oh, Maturgeon. Et ça, c'est beau. Canon graine et tout. Donc, on a eu le Poussacha. Ouais. On a eu le Maturgeon, maintenant, il nous manque le Hex. J'aimerais bien. En alternative. J'aimerais bien son alternative. Sur son arbre. Ah, il est magnifique. Ah, bah tiens, Canarbello. Anglais et français, on va ouvrir des deux. T'aimes pas, toi, t'es moche. On va ouvrir des deux. Drone livreur, lancer deux pièces. Ok, ouais. Cas d'oiseau, j'aime bien en mode mécanique. Allez, on y croit fort. Dommage. Dommage, y'a rien. Et juste après, c'est une holo. Hâte de repasser mi-juin. Mika, tu n'hésites pas à réserver, à nous dire quand tu passes pour qu'on te réserve des EV2. Hein. Ah non, mais ça tombe obligé. Il y a du minimum EV. C'est... Moi, ça m'a toujours régalé. Hein. J'ai... Oh, il y a mis sprint. De ouf, là. Ah non, tu veux dire c'est crampé. Ouais. Enfin, oui, mis sprint, pardon. Putain. J'espère que c'est une carte de ouf. On verra. Le booster a été scellé sur la carte, en gros, les gars. Je pense que vous l'avez vu à la caméra. Ouais, oui. Allez, juste après ce booster, on ouvre les boosters de Jesse. C'est l'alternative et tout. On va ouvrir les boosters de Jesse. Pomme. Ambrilex. Solochi. Je trouve trop marrant. Bakabou. Ouais, surtout son shiny. Gouroutan. Electrode. Tag. Allez, première reverse. Allez, la Quancia. Merci, Eustic. Ah, une AR. Non, non. Non, même pas. Deuxième reverse. Rondog. Donald. Ronald Trump, oh, là. Putain, Donald Trump. De quoi? Belle Ami Sprint, c'est une belle carte. C'est une full art? Ouais. Vas-y, c'est pas grave. Oh, putain. Elle a été bien crumpée. Alors après, ça peut donner de la... Non, en vrai, ça, je pense que ça lui donne plus de valeur. Par contre, elle était trop bien cadrée. J'ai le seum. Elle a décrampé. Aïe. T'as les crampées? Ouais, elle est crampée. Bah... Alors par contre, ça donne de la valeur. Ça peut paraître bête, mais ça va lui... Ça. En vrai, ça m'arrange presque qu'il y ait ça, tu vois, pour le coup. Bah ça veut dire qu'elle est unique, pour le coup. Bah oui, ouais. Parce que le booster a été refermé sur la carte. Putain, j'avais dit, tu vas voir, ça va être le 8. Ouais, bon... Cette carte, par contre... On a eu les deux full art, pour le coup. Très forte, cette carte. Ouais. Mais elle est belle, moi j'aime bien. Hein. Tiens, je vais la sliver. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ben voilà. Mais c'est ça. Il y a des gens, ils ont les mains moites, les gars. Il suffit de serrer la main de quelqu'un. Il a les mains moites dégueulasses. Restez derrière, bro. Ah non, mais c'est horrible. Merci, l'attention pour les 5 cadeaux. Merci, Bibi, ça fait plaisir. Oh, il est horrible. Allez. Bon, pour l'instant... Pour l'instant, non mais je panique pas, je suis serein sur les taux de drop, hein, réel, oui. Je suis entièrement serein sur les taux de drop. Juste pas un palmaval, par pitié, pas un palmaval. Donc c'est con de pas en mettre. Perso, je tiens une carte 5 secondes, elle se dissout. Non bah, tu vois, non mais c'est vrai, hein. Oui. Merci Aranimus, merci pour le 56e mois. Il y a des gens, ils ont les mains moites et tout, non, moi c'est les gants. Non, vraiment, les gants, c'est de ouf, normal. Non mais, il y a deux religions autour de ça.
Il y en a, ils sont vraiment en mode les gants, ça sert à rien. Ça dépend des gants. Faut pas prendre des. Là, c'est, des... c'est en espèce de latex, donc ça va. Mais par exemple, les gants en laine, ça peut laisser des dépôts, je pense. Ah non, les gars, mais non, mais ça, tu... Oui. Personne n'ouvre avec des gants en laine, frère. Déjà, ça glisse. À part relaxing. Non, mais bientôt, il va me sortir les gants kappa et tout, frère. Oui, oui, personne... oui, tu sais, comment il s'appelle Relaxing hand, tu sais, celui. Merci, la Tenzio, encore là, pour les 5 cadeaux. C'est meilleur. Petit symbole. Ouais, des gants en laine, il a dit, je te jure. Il a cru qu'il était bijoutier, ce bâtard. Non, mais tu regardes pas Relaxing Hand des fois? Il fait des unboxing en mode. Oui, je vois. Non, mais c'est ouf. Des gants en coton. C'est un concept nul, mais c'est stylé en vrai. Bah, c'est un concept incroyable. Bah, ouais, j'adore. Et il reçoit. Non, mais quand je dis nul, c'est-à-dire que n'importe qui aurait pu y penser, mais il l'a fait quoi. What a pick. En mode ASMR. Il l'a fait en mode qualité de fou. Ouais. Des gants, et voilà. En mode ASMR, ça marche bien. Des fois, il a dit, je regarde ses openings. Merci, la Tenzio, merci. C'est une énergie qui soigne, ouais. Ah, dommage. Tu nous fais des faux espoirs à chaque fois. Ah, Matourjon. Allez, les amis, normalement, on doit avoir deux alternatives. Une dresseuse, une Pokémon. Ferrocin. Je sais pas si on mérite, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Une petite AR. Ouais. Allez, une petite AR. Les amis, on espère... Là, c'est, je vois vert, le starter. Oh, ce serait beau, le starter. Ça serait beau. Oui, let's go. Let's go. Il faut l'alternative de l'autre maintenant. Merci mon beau graphiste. Désolé mon frérot. Merci mon beau graphiste. Oh là là, Poussacha. Et je crois que je l'ai. Maintenant il faut l'alternative. Non mais il y en a 50 des AR. Il y a combien d'ex classiques dans ce set? 9 je crois, me semble-t-il. EV3 s'annonce assez exceptionnel pour le coup. Les boulets roux. Coiffeton. Ah les petits coiffetons. Forgeret. Bon là ça va, on fait le tour. What a pick. Non. Ah, j'aurais pas vu. Il y a deux coiffetons à chaque fois et tout. Tu crois que tu fais le tour. C'est un des plus gros sets. Hein. Tac tac. EV2, je sais pas pourquoi. On a pas vu. Il y a presque 300 cartes hein, avec les secrets. Hein. Je sais pas, ils sont énervés. Ils veulent faire le. Oh, c'est une gold. Putain, pas une alternative, j'ai le seum. Allez, un Pokémon au moins. Un Pokémon. Oui. Ouh. Let's go. Beaucoup de gold aussi. Beaucoup de gold. Beaucoup de gold. Let's go. Magnifique. Ouais. Alors là, par contre, là, je suis content. Au début, j'allais chouiner. Comme d'habitude, j'allais commencer à gueuler. Mais là, oh là, et le cadrage, ça, c'est 10 PS1. Je ne rigole pas, les gars. C'est 10 PS1. J'aime bien Biojang, là, le côté dent de sabre. Oui. Elle est slivée, double slivée, triple slivée. Hein. Il reste une possibilité d'avoir une alternative dresseuse ou... Après, techniquement, en termes Pokémon. De rareté, les gold sont plus rares que les alternatives. Oui, selon Pokémon Company. Oui. Mais selon le choix des joueurs, pour c'est la... Voilà, selon les joueurs, le prix, mes couilles. Hein. Ouais, je te jure. Allez, on est parti. Ouais, mais là, c'est plus... Là, les golds sont juste gold, en fait. C'est dommage. Mais par contre, très content. C'est un Pokémon, puis il a faux, hein, si on veut le full set. Je vais tenter. Merci, la Tenzio. Merci pour Xav. De... Pomote. Forgé là. Tu préfères Machine Alt, la carte à 1K, tu veux dire la streameuse, ou un Pokémon alternatif? Je préfère un Pokémon alternatif. Je sais pas, les alternatives... Je l'avais pas, je suis très content. Bah enfin, je l'avais pas, j'ai rien, puisque ça vient de sortir, mais... Lorsque vous jouez à ce Pokémon... Mais c'est par habitude, on a tellement de display que... Yo mon Bapito, ça va ou quoi? Les gars, pour l'instant, je suis très content de la gold qu'on a eue, mais j'aimerais bien qu'on voit une holo. Une alternative, je vais pas mentir. Fufu, c'est maintenant l'alternative. Et oui, on va faire du mieux qu'on peut. Colossin. Magibray. Allez, on a Selwing qui retente le braco. Dommage, mon Selwing. Ah, non. Putain, je crois, à chaque fois, je crois à l'air. Allez, peut-être une foulard cachée. Non plus, Cotovol. J'ai bien reçu vos messages sur Discord. J'irai voir un peu vos collections, les amis. Ça va, mon cri-cri? Fugulero. Allez. Ah ouais, il y a un truc? Non, non, ça va. Mes grosses couilles. Arrête, j'y croyais. Il manque une R aussi à faire tomber, je crois, non? Oui, en vrai, il reste des trucs. Hein. Non, il reste des trucs. Je suis confiant, mais c'est pas un display qui va régaler plus que la normale, on va dire. Ouais. D'habitude. Mais il y a quoi de booster? Oui, bah 36 comme d'hab. Non, mais d'habitude, je veux dire, EV1, quand on a fait le 15 Secret, c'était quand même assez exceptionnel. C'est un display qui est dans les normes, on va dire. Ouais. Bah, attends, on est possible qu'on ait pas une deuxième alternative. Hein. Encore une fois, c'est pas une science. Allez, c'est maintenant. Doucement. Dommage. Ouais, direct, tu vois quand c'est. Bah, parce que c'est pas texturé.
Une ex. Texturée? Non. Oh, Pikachu? Oh, Bruiverne. Oh, elle est belle. J'aime beaucoup la Bruiverne, honnêtement. Je la trouve assez stylée pour le coup. Non, t'aimes pas? Si, si. Elle est hyper agressive et tout, moi j'aime bien. Tant mieux pour eux. Allez, l'alternative, par pitié. Tout le monde va ouvrir ce set Magic. Non, pas toi, Vincent. Oh non, pas elle. Tu l'aimes pas? Si, mais elle était chiante. Ah, ok. L'argument tient la route. Allez, c'est maintenant peut-être. Oh oui, attends. Oh putain, ta paillette. Oh, ça paillette. Ça y est, les gars. Une halte. Attends, un tout petit peu. Oh, c'est un Pokémon. Oh, je sais qui c'est. C'est qui? Poussacha, son évolution max, vas-y. Oh, let's go. Oh, elle est belle. Let's fucking go. Et cadrage, il a l'air nickel aussi. Eh, propre. Très propre. Très propre. Je rappelle que un bon cadrage pour PSA, c'est un tout petit peu, enfin pour toutes les alternatives en général, c'est l'impression que ça va un tout petit peu à droite. Incroyable. Eh, elle est clean en plus. Hein. Elle est clean de fou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah là, je suis content. C'est mon starter préféré. Elle est magnifique. Miascarade. Alors là, je suis content. Allez, ce serait bien ma tourjon là. Allez, c'est parti. Ma tourjon ailleurs, comme ça t'as toute la. Ah bah non, si c'est VMAX, c'est radieuse. Là, c'est que du bonus en dehors de l'air, d'accord? Donc là, si genre bluff, on a une full art ou autre, c'est en plus. C'est en plus du ratio de base. Ça veut dire qu'il y en a un, il va ouvrir un display, il en aura un. Par contre, très content, hein, l'alternative Pokémon là. Ah, oh, ça me régale. Allez, allez, on y croit au miracle? Dommage. Ah non, tu sais déjà comme ça? Bah, en fait. Quand l'avant-dernière, la deuxième reverse, ouais. Elle est gris foncé, c'est que c'est obligatoirement une alternative ou une AR. Une ex. Une ex, bien. Bonus. Bien, bien. Oh, Terra cristallisé. Si c'est Fortress, je te casse la gueule. Oh, oh putain, t'as eu de la chatte. C'est Pachkour. Pachiraja. Mais c'est Pachiraja, c'est en référence à l'Inde. Bah, ça se voit. Bah oui. Mais tu sais c'est quoi un Pachiraja? Non, je connais Pachiritsu. Bah c'est un Pokémon. Non, Pachiraja. Bien joué, Super Nuggets. Bakabou, la Machikabou, la bibidi babidi. Fada va noter ton pseudo. C'est un braquage de Super Nuggets, hein. C'est son premier don. Hein. C'est son premier don, GG Wellplay. Super. Nemelios. Ceinture choix. Il y a un truc là. Oh, non. Non, 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 non. Holo. Dernier booster, et il nous manque une air, on nous a volé. Bah, ils ont mis Nex à la place. Qui nous a volé, Vincent? Scramdad. Allez, grasp. Coiffe-t-on? On l'ouvre. Mais non, vous l'ouvrez, l'appel des légendes? Oh. Tout ça pour espérer avoir un Lugia? Arrêtez vos conneries, putain, les gars. J'ai eu la note du Lugia. Alors? Je peux pas le dire parce que le chat va spoiler à Sophie et Sophie, elle veut pas savoir. Elle veut qu'on l'ouvre en vidéo. J'ai eu la note du Lugia, les gars, d'appel des légendes, de la SL. Le seul truc que je peux te dire, c'est que... Je suis aucunement déçu. Là, il y a une AR, techniquement. Techniquement, il doit y avoir une AR, sinon je te casse la gueule. Je te casse la gueule. Aïe, 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 on s'est fait voler une AR sur les probas. Par contre, on a eu effectivement une ex en plus. Ouais. Bah tiens, la tyrannocive pour terminer. C'est plutôt pas trop mal, évidemment. Bon. Évidemment. Mine de rien, on est parti. Je rappelle qu'aucune full art n'est tombée, aucune secrète est tombée. Petit récap quand même. La version crimp, la version gold qui est très belle, très bien cadrée, une flamant belle AR, flamant roule, une petite ex Bruiverne, Pachiraja, ex, on sait pas ce que c'est les gars, un caillou, je sais pas. C'est une dinguerie. Ça ressemble à rien. Il a souri. Frérot, Poussacha, et magnifique. Miascarade. Et sa version, évidemment, alternative, qui est très très belle. Miascarade, GG Wellplay. Eh ben ça c'est beau, monsieur. Ça c'est beau, très content. On a eu une... Honnêtement, on a eu une très belle display. Très très belle display. Mais réel, pour le coup. Je suis très satisfait. Je suis très satisfait, bien sûr, de la display. On est parti. On peut stopper le local recording. YouTube, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire.